Choubidou, alors aujourd'hui je reviens pour un tuto make-up spécial Beautiful Box by Femina, la Dolce Vita. Si ça vous plaît, regardez. À tout de suite. Coucou mes choubidous! Alors, aujourd'hui je reviens pour la fameuse palette que je vous ai expliquée. Alors déjà, je vais me coiffer. Ensuite, donc, je reviens parce que je vais me maquiller avec la Dolce Vita de la Beautiful Box Féminin au mois de mai que j'ai reçue. On va y aller, donc je rajouterai quelques petits trucs hein, parce que j'ai que ça. Et le rouge à lèvres, comme ceci. Voilà, donc on rajoutera, ok? Pas grave. Voilà, on va faire vite fait. Alors, je vais mettre déjà le bronzer, comme ceci, de la marque Phase Zéro, qui était dans la Beautiful Box. Et je prends celui-ci, c'est un pinceau de la Beautiful Box la dernière fois, c'est en forme de cœur. Alors, pinceau en forme de cœur, on y va. Allez. Franchement, mais franchement, ce bronzer, c'est une tuerie. Il sent super bon. Moi, je prends le Hoola d'habitude. J'en mets aussi sur les yeux. Oh là là, il est parfumé. J'adore. Peut-être je le recommanderais parce que je prends tout le temps du Hoola. Le Hoola, il est à 37 euros. Et celui-là, je crois qu'il est à aussi 15 euros, faut que j'utilise avant de fin juin, je crois. Donc voilà. Je crois que c'était 23 euros. Et mon petit pinceau cœur. Il est trop mignon. Et pour l'instant, ça donne strictement rien. Alors, je n'ai pas de glace. Je vais prendre du marron. Je prends ce pinceau. Je prends le marron. En fait, j'avais fait la vidéo, mais j'étais obligée de la refaire. Alors pourquoi? Parce qu'il y avait le ventilateur et il y avait la voix qui n'allait pas du tout. Donc, il faut que j'augmente la voix. Voilà. C'est marrant parce qu'on dirait que je suis maquillée, mais je vous assure que je suis pas du tout maquillée là. Voilà. Hop. Et comme ceci. Le doré. Voilà. Et je vais juste le tapoter ici. Je vais prendre le marron clair. Ici. Marron clair. Je vais prendre. Le rendu est très joli. Voilà. Je vais mettre en dessous les sourcils. D'ailleurs, je vais prendre avec la main, avec le doigt. Je pense que c'est mieux de prendre avec le doigt. Regardez. Comme ceci. Voilà. Ce make-up n'est pas fini. Je vais prendre celui-ci. Je ne sais pas si vous voyez, il est tout fin. Et je vais prendre le marron comme ceci. Avec, mélanger avec celui-là. Et je vais. J'ai pas de glace, alors je vous assure que c'est loin d'être facile. Hein. Voilà. C'est juste mon retour caméra. Comme ceci. Maintenant, on va prendre le crayon noir. Non, attendez, j'ai tout préparé. Je vous jure que j'ai tout préparé. J'ai même taillé le crayon. Il est là. Ok. Alors moi j'ai une méthode. Je tire. Mais je sais pas. Mais sans glace là, ça va être dur. Mais on va essayer. Oh, voilà. Pas possible, c'est pas possible sans glace. Ça, c'est une robe que j'avais achetée chez Vinted. J'avais payé 5 euros. Maintenant, j'achète Vinted parce qu'on trouve des très jolies choses. C'est 1, 2, 3, sans une idée. Franchement, je l'adore. Alors, donc, on y va. J'espère que vous allez me voir par contre parce que je vais faire comme ça. Voilà. Alors moi, je tire la paupière, mais parce que voilà, je tire la paupière. Je ne sais pas faire. J'ai besoin de tirer la paupière. Je ne sais pas pourquoi, mais
Alors voilà, je tire ma paupière, je fais un grand trait et je vais jusque-là. Je regarde bien. Maintenant, je mets en dessous. Alors, je ne mets pas de concealer, je ne mets pas de truc. De toute façon, ça ne sert plus à rien, je ne le cache pas. Parce que malheureusement, avec le masque, il arrive jusque-là. Donc, c'est juste les yeux qu'il faut faire, quoi. Et bien sûr, je vais reprendre celle-ci. Je vais accentuer avec du marron foncé. Comme j'ai mis du noir, je vais accentuer avec du marron foncé. Je prends la glace, hein. Mais en fait, normalement, je devrais me baisser encore plus, hein. C'est pas grave. Moi, je veux que ce marron-là, il soit plus accentué. D'une vidéo que j'avais mis un earband, là, earband, je sais plus comment on dit. Et franchement, mais je vous dis que ça, c'était trop marrant. Je l'avais mis et en plus, j'avais une boule à côté. Là. Eh bien, on peut la mettre comme ça. Franchement, c'est super joli. Hein. Regardez, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais je suis avec la box, comme ceci. J'ai reçu celui-là, mais je n'ai pas demandé celui-là. Hein. J'avais demandé un autre. Hein. Moi, je suis très rouge. Mais bon, le nude, il est pas mal aussi, de temps en temps, pour tous les jours. Ben voilà. Un mélange des deux, c'est parfait. Je ne sais pas ce que vous allez en penser. Beautiful Box, au féminin, maquillée avec la palette Challa. Bon, je vous fais plein de bisous. Minnie et moi, on vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Grosse boule fluo, et j'avais pris, puis je faisais, on dirait une femme, une voyante, c'était trop marrant. Bon, bah sur ce, si ma vidéo vous a plu, bah, abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Je vous recommande, oh là là, ça m'énerve les messages. Je vous recommande cette palette, cette Beautiful Box que j'ai payé 16,90€. Et dedans, vous avez le bronzer, je suis complètement maquillée avec. Vous avez la palette qui est une pure tuerie. Je vais ouvrir. Une pure tuerie, vraiment. Et le, moi j'ai eu celui-là. Je pense qu'elle est encore disponible de chez MAC. Il faut savoir que, et nous avons 15€ de réduction et pour chez MAC. Et j'ai eu aussi un produit qui est magnifique pour les cheveux. Je ne l'ai pas là. Je ne l'ai pas là, mais en fait il est sublime. Voilà, je vous la recommande à 1000%. Vous dire si j'ai un parrainage, j'en sais strictement rien et je ne le fais pas pour être parrainée. Pour un parrainage, je le fais pour vous. Alors abonnez-vous, likez, partagez, commentez, je vous aime. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Dites-moi en commentaire si vous aimez avec ce... lui-là. Bye bye. Ciao, abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Une fois, j'avais rigolé avec une box. Alors là, vraiment très sympa. Voilà, regardez, un headband, un jean. C'est ça la collaboration en fait. Aïe. Cristal, je vois. Je vais mettre comme ça. Bon bah, je sais pas si c'est pour moi ce truc là. Hein. Attendez, je réessaye. Hein. Bon, moi je vous fais rire. Hein. Les vis, c'est bien beau, mais. Les vis, je fais comment là, hein? Là, tu m'as. Là, je suis un peu embêtée. Hein. En plus, ça serre. Pourtant j'ai pas une grosse tête.